Poubelle. Salut tout le monde. Récemment, sous une vidéo VTT que j'ai tournée, un commentaire me disait « À quand le vélo de route ?» J'avoue que j'étais assez surprise parce que tout le monde n'arrêtait pas de me demander « À quand le VTT ?» sur toutes mes vidéos route. Mais au final, c'est vrai qu'une petite vidéo vélo de route, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc aujourd'hui, on va sortir. Nous sommes début octobre, il fait approximativement 28 degrés. Je crève de chaud. Je suis pas censée me plaindre, surtout que perso j'ai en gros pas eu d'été à cause de ma blessure. Mais j'avoue que là je suis sortie l'après-midi en me disant non mais ça va, on est en octobre quand même. Et en fait j'ai fait que quelques kilomètres, mais je crève déjà de chaud. Donc on verra combien de temps je tiens sous ce soleil de plomb. Le but c'est de faire une sortie plutôt tranquille. Si jamais je suis hyper motivée et que je veux aller très très loin, bah, j'ai deux bidons, j'ai un peu de quoi manger, donc voilà. Mais a priori, juste petite sortie d'écrassage tranquille sur les routes de ma région. Ce sera aussi l'occasion de tester la Aero 7 sur route, puisque du coup, j'ai encore prévu le harnais. Comme là, c'est sorti voilà, tranquille, je peux le mettre, ça ne me gêne pas, si ce n'est que ça me donne encore plus chaud. Mais voilà, donc je vous montre ça, je vous montre la sortie, j'espère que ça vous plaira. Des vignes à perte de vue. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de circulation pendant cette route. Je suis sur l'axe vers Cahors. Je me suis dit qu'un vendredi en plein après-midi, il n'y aurait pas trop de circulation. Et en fait, si, je ne sais pas quand il y a des voitures, mais il y en a un petit peu trop. Et certaines ont tendance, évidemment, comme partout, à doubler de très près. Ce qui, franchement, m'horripile. Il a beau faire super chaud, on voit que c'est plus tout à fait l'été. Les arbres commencent à bien roussir. Encore des vignes. À droite cette fois. Demain quand on pense au Lot, on pense pas forcément au vin. Mais promis, il y a du pinard. Trop jolis les arbres qui prennent leur couleur d'automne. Ce que je vais faire, je vais prendre la route qui longe le Lot. J'ai déjà fait des vidéos sur cette route parce que c'est la seule route plate du département. Et cette route, je l'ai pas prise depuis en gros le mois de mai. Ça commence à faire un peu. Du coup, j'y retourne. Ça va me faire du bien de faire un peu de plat. Sacrée rafale de vent par moment. Ça crève même sur le plat.
20 km. J'ai fait du 26 de moyenne, ce qui est bien plus que sur mes dernières sorties. Mais en gros, ça a quand même pas mal descendu. Et ensuite, j'avais du plat. Là, pour rentrer, je dois récupérer des montées. Je pense que ma moyenne va fondre. Mais oui, bien sûr. J'avais oublié à quel point cette route pouvait être empruntée. Mais franchement, à cette heure-là, il est même pas 16h, je pensais qu'il y aurait quand même moins de monde. Allez, on prend le petit pont. Là, je vais avoir une belle montée un peu après le pont. Je pense que je vais bien souffrir. Et après, ce sera relativement plat. Et c'est parti. Ça commence à grimper. J'espère que ce sera ombragé. Ça a l'air, ça m'arrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais partout les petites routes comme ça qui montent, qui sont bien jolies, ça me plaît beaucoup. Même si j'en chie, mais n'empêche, c'est super agréable. Allez, dans la montée, j'en profite pour sortir ma deuxième caméra de la poche. Ça fait passer le temps, du coup on pense moins au fait qu'on est en train de souffrir de la montée. N'empêche, cette route est vraiment super agréable. Ça, c'est un de mes endroits préférés de ma région. Les petites routes découpées dans la roche là. Sur ce morceau de route, il n'y a vraiment pas d'ombre. Je peux vous dire qu'il fait sacrément chaud. Dites-moi en commentaire si dans votre région il fait encore chaud. Ou si ça y est, c'est complètement l'automne vers l'hiver. Nous, on a quelques matins qui sont très frais. Mais en général, l'après-midi, ça monte encore bien haut. Après une petite pause pour prendre des photos de mon joli vélo, c'est reparti. Et puis là, ça continue à monter. Normalement, ça monte à peine après grosse descente. Après, re-petite montée. Et plus ou moins plat jusqu'à l'arrivée. J'ai remarqué que j'avais oublié de remettre mon compteur. Ah, je me suis enlevé quelques bornes. C'est pas grave, on n'était pas là pour faire le record. Finalement, j'aurais fait plutôt une belle sortie. Bon, j'ai fini ma deuxième bouteille, donc il était temps de rentrer à la maison. Du coup, avec les quelques kilomètres que mon GPS n'a pas enregistré, j'ai dû faire un tout petit peu moins de 55. Vu la chaleur et le vent, vu que j'ai pas encore reroulé beaucoup, ça me fait déjà une grosse sortie perso. Donc voilà, une belle sortie, j'ai bien mal aux jambes, ce qui est bon signe. Et ça m'a fait vraiment du bien d'aller rouler, de profiter encore du soleil, des belles routes, etc.
J'espère que vous aussi, vous avez l'occasion de rouler en ce moment, s'il fait beau par chez vous. Allez, c'est l'heure pour moi de terminer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.